Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue. Bienvenue dans Warhammer 40 000 Dark Tide avec la section des Ogreen. Et il n'y a qu'un seul Ogreen qui s'appelle Sourisseau, qui est déménageur. Et nous avons deux potes avec nous. Très bien, apparemment la mission... In the end, everywhere ends up like this. A forgotten wasteland. Flow control isn't far, but you'll have to fight your way in. Stick together, stay sharp. Ok, très bien, allons-y. Alors, nous voici dans une autre partie de la mégacité, un endroit qui est transformé en désert de sable. Et il va falloir faire du dépoussiérage en allant tuer un pathogène qui pourrait contaminer le peu de survivants humains qui pourraient traîner dans la zone. Et c'est des choses qu'on voudrait éviter parce que sinon ils ressemblent à ça, regardez. Et ça, c'est... ils sont impropres à la consommation. Bonjour. J'ai pris une mission où ça m'annonçait d'avance qu'il y aurait un grand nombre d'affrontements. Avec une comment ça s'appelle ? Une densité d'ennemis supérieure. Oh, quel régal. Nous pouvons donc tester la batteuse. Oh là là. Faire leur chargement. Ouais, le temps de changer de caisse. Très bien, il faut qu'on monte. Ok. Voilà, très bien. Il lui a cassé la gueule. On va essayer de précis. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé, hein. Cette arme à distance est plutôt pas mal. C'est assez un régal, même s'il y a un problème de recul. Là, regardez, les ennemis à distance. Petit tir de couverture. Qu'est-ce qui se passe? Qui me tire dessus? Ah! Là, voilà, très bien. Tout va bien, ça a l'air de bastonner. Je vois des grenades, donc il y a un lance-grenade quelque part. Enfin, un lanceur-grenade. Des munitions. Il va être un problème, il va falloir le tuer, les enfants. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Pom, polo, pom, polo, pom, pom, pom. Des grenades. Un sas que je peux pas passer parce que je suis trop gros. Ah. Pas de munitions, pas de rien, pas de rien. Ok, très bien. Allons-y. Peut-être y aller là. Ok, le bot est pas avec nous, mais c'est brave, c'est un bot. Ah, nous avons Hag qui nous a rejoint. Wouah! Ah, c'est le jeu des Ogreen, hein. J'aurais bien voulu montrer des équipes équilibrées. Mais c'est un espoir fou! Dans la boîte. Dégoûté. Prends la poignée. Voilà, ça règle le problème. Alors, d'avance, j'en vois un là. Voilà. Et eux, ils sont au 4, donc ils ne servent à rien. On peut recharger, prendre le temps. Joli. Ah, il a le lance-grenade, ok. Lui, il a le gros... fusil à pompe automatique. Très bien. Atteindre la salle de contrôle du flux. Dangereux. Many kinds of Oakley. You're lucky you get me. Maybe.
doesn't matter much. I am Alpha Type. Oula, ouais, effectivement. Flow control just across the hangar. Reloading. Voilà, ça sert à rien, mais ça m'a beaucoup amusé. Un chien, je vois un chien là-bas. Eh bon, le chien est mort. En train de s'en remettre, ils sont déjà morts. Impeccable. Me fait rire. Si à la station de Medicase toujours. Oh, qu'est-ce que. Attention au baril. Chier, 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 vous fait tirer dessus. Ça bip bip. Grenadier, d'accord, je le vois, 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 je le vois. Ah, salaud. Non, c'est bon. Voilà. Ouh.
putain. Quel massacre. Une boucherie, mon gars. Je regrette pas d'avoir mon couteau. Hein. Je les dépèce. Ils partent. À bon. Il y a un chien. Ah, j'ai été eu, je sais pas par qui. Il est dark, partout. Putain, lance-flamme, chien, des mecs au pif. Bah, il est en train de se faire bouffer. Là, j'ai rechargé, ok. Ça, oh shit! Quelle saloperie! You see the heretic skulking about. Ça se tombe, ça se tombe. All scum live at bottom of hive. So who live higher up? Those of rank love fireside, where we pray they remain safe. Il est là, il est arrivé. Voilà, très bien. Il y a du reste de trop du cul là dans l'ascenseur. Quelqu'un en se flamme? Tout le monde est dans ça, Dieu merci. Ah, et même le comment ça s'appelle? D'accord, et c'est quoi? C'est un zélote lui? Je crois que c'est un zélote. Hein. Ça sert à rien. Ok. Purger l'infestation démoniaque. Effectivement, l'endroit a l'air assez foireux. Hein. Ouh, un Medicus. Généreux. Des munitions. Pas généreux. Merci, quand même.
bring it back! La boucherie de leur vie. Oh, des munitions. On n'y croyait plus. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis à la bourre. S'enfoncer. Je suis à la bourre, j'arrive. J'ai presque un chargeur plein. Ok, ok, sans rendre dépôt de carburant, let's go. Oh, bien joué, ça. Thank you. Fort aimable. Focus fire. Ouh. Don't touch the goo, small people. It's bad. If I thought you were going to be serious, would I be exfiltrating you after the mission? You say it will be fine, then it will be fine. Let's go. La boîte, des munitions, rien du tout. Bien joué ça. Ça s'est bien passé. Laissez-moi enfin recharger mon arme. Ah, c'est pas vrai. So, what is Indomitus Crusade? The war to try and save the Imperium before it dies. Et on va les aider à gérer cette masse. Voilà aussi. The body dies. See that switch? What's it do? Les munitions, let's go. Good times. Il y a peut-être le temps de recharger cette fois, qui sait. Recharger peut-être. On ose espérer, on ose y croire. Let's go! Feeling about his shot. You stepped into the wrong area. Ouh là là, ils sont nombreux. Ouah!
That's different. Ah, c'est bon. This one's for idea. Ouh. Victoire. Bon. Compliqué. Hein. Compliqué. Vous avez vu, utilisation de la charge pour mettre tout le monde au sol et le temps que tout le monde était occupé à se relever et à ramasser ses couilles. On en profite pour relever son pote. C'est pas passé loin. Parce que si tu te prends une attaque de 4, ça t'interrompt pendant. Allons-y. Ah bah. Les ogrines tombent du ciel maintenant. Par contre, ça a parlé de Medicaid là-bas. Ah. Des grenades. Ouais, forcément, ouais. Du Medicus, si on trouve la batterie. Ah, tu l'as fait marcher? Très bien, il y en a pour deux. Merci. Enfin! Quelle saloperie! Stomp, on entend. Il y a un Stompman pas très loin, il est là! Hop là, raté! Vous avez vu cette esquive? Mutie's dead! Thank you, beloved! Yum! Allez! Impeccable! Ah, on a un autre. Il y a un autre. Balius. Non, c'est bon, c'est toujours le même, ok. Je croyais qu'un de nos teammates était parti et en fait, non, tout va bien. Ça fout. Oh, c'est beau ça! Rien dans la boîte, malheureusement. La tristesse. Bonjour! Alors. Grosse boîte là-bas, qu'y a-t-il dedans? Des mystères et des choses incroyables? Rien du tout. Bon, il va falloir y aller, les enfants. Hein. Forcément. Score. Merci. Portez mal. Step aside. Ouah. Un Timon Host, super. Où est-il? Il est là-bas. Qu'en pensez-vous? Ouais, non, mais jamais. D'accord, ok, très bien. Alors, savoir quoi là? Quelqu'un a touché l'autre démoniaque. Et quand on touche l'autre démoniaque, il one-shot tout le monde. Voilà, très bien. Après, l'autre démoniaque, après avoir tué deux personnes, s'enfuit. Je vais bientôt être sauvable parce que je suis capturé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'autre démoniaque, si t'as pas de bouclier, c'est très dur à gérer. Tu peux faire des parades parfaites et des esquives, mais j'ai paniqué.
J'ai été capturé. Ah, j'ai été capturé, voilà, très bien. Et ben on est tous les deux au même endroit avec deux connards qui s'excitent parce qu'ils sont en train de nous rejoindre. Super. Ah, il l'a raté. Quel sac. Can you still fight, sweet one? Your touch tingles. Ah, bien, excellent. Des munitions. Bonjour. Not good. Very not good. Ah, encore une fois. Au secours. Deux fois par les trappeurs, hein. Je me suis fait capturer 1000 fois par ces trappeurs à la con, brave Jean. Quel enfer, hein. Ok. Et Hack peut être sauvé, il est mort à nouveau lui aussi, d'accord. Ok, ils sont nombreux dehors. Chargé en vrai. That meat sack won't trouble us now. Get your data interrogators in place to start building over pressure. Ok, c'est la dernière phase du lieu. Exploding Baron. Lecteur de données. Ah là, ça y est, ça s'est placé. Ça. Oh cool ça. Trois charges, super, juste assez pour tout le monde. Merci monsieur. Oh là là, c'est horrible comme vision, mais j'adore. Pom 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 pom. C'est un massacre. Gros gunner, deuxième gunner là d'ailleurs aussi. Je t'ai vu. Super cul. Ouais, il est mort, enfin. Vous aussi, là, faut arrêter. Vous aussi, là, faut arrêter. Voilà, très bien. Il a joué les objectifs, ça s'est bien passé. On va suivre Souriçon. On s'éloigne. Ouah, aïe, 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 j'étais en dessous. Ah, tout va bien. Tout va bien tant que c'est des hordes. S. Ah putain. S. P. Q. Allez, 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 allez. R. SPQR, c'est bon. Senate Populusque Romana. Prends ça, toc, 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 toc. Ah, c'est bon. Oups. J'entends une captureuse, je déteste ça. Non. C'était un lance-flamme, ok, tout va bien. Ah,
Quel bordel, cette infestation! Allez! Faut mourir! Ouh! Aïe! Là! Très bien, ça, ça tue. Yes, beloved! They're charging! Success will soon be ours! T'entends un chien? Tout va bien. Détruis les incubateurs, ça charge, ça charge, ça charge. Bosse plus vite! Bosse plus vite, putain! S. P. Q. R, c'est bon, SPQR. On y est. J'entends des bruits de l'inquiétude. Le voilà l'inquiétude. On se casse! Là! Ça vient de derrière, ça vient de partout. Du warp dans le zizi, du warp dans la gueule. Voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Recharge. Aïe, 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 aïe. Trop cher, par qui? À part ce mec là. Recharge. Recharge. Oh shit, ah, what? Réflexe! Cours, 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 cours! Des munitions, putain, on est full! Et attends, j'ai pas du Megi Custom? Attends, si, si, et tu. Ah, bah d'accord, vas-y. Healing! Belle utilisation du soin de la part du Lennon! Juste avant de rentrer dans l'avion! Efficacité totale! Bon! Et bah somme toute tout s'est bien passé. Oh, j'ai eu peur avec la avec le Demon Host à un moment. On n'y est pas. Oh oui.
L'empereur m'offre une pelle à caca. Pour la peine, on va s'en servir. Pour la peine, on va s'en servir, brave Jean. Il y a un respect, il y a un respect. Impeccable. Ben, vous voyez que les missions sont assez longues, hein. 30 minutes d'épisode, quand même. Hein. Le temps que ça prend, voilà, ça bourre. Hein. Par contre, c'est un massacre total et unilatéral. Hein. Il y a un merdier sans nom. C'est ça qui est bon. Mais ce jeu est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Hein. Dur de commenter par-dessus, parce que t'es surchargé psychologiquement par les mecs, ça gicle de partout, c'est un merdier sans nom. Mais ça fait du contenu, j'en ferai pas bien plus, je pense, parce que la variété des missions n'est pas présente. Honnêtement, le jeu a un design qui est incroyable, mais encore une fois, comme tout le reste des jeux Warhammer 40 000, le design est incroyable, la licence carry absolument tout, les mecs font un boulot fou, ils sont juste, je sais pas, soit ils ont pas de budget, soit il y a des décisions commerciales ou des décisions de gameplay ou de jeu qui limitent énormément, malheureusement, ce que le jeu pourrait être ou pourrait donner, si tu veux. Les maps sont incroyables, elles sont exceptionnelles, mais c'est le genre de truc, tu peux pas te permettre de faire un jeu qui te demande de répéter 1000 fois les mêmes maps et n'en faire que 10. Ça a toujours été le défaut de ces jeux-là, si tu veux. Et ça devrait normalement être le premier truc qu'il faut tenter de régler dans ce genre de situation. Mais je comprends que c'est difficile, il faut le scénariser, il faut faire des DLC, il faut vendre des skins, des cosmétiques, il faut faire de l'argent. C'est normal, c'est la vie, c'est Warhammer 40 000, mais tu vois, avec Dawn of War 3, on est sur la même lignée, finalement. On est sur la même lignée. Va y avoir. Disciples égarés coffrés, plus 2 d'endurance max, moins 5% de vitesse de régénération de robustesse. C'est de la merde. C'est de la merde. Double mitrailleuse, Krurk, masse de... Ouh ! Ah, j'ai besoin d'avoir le niveau 10 pour avoir le bouclier anti-émeute. Ah, quel dommage ! Quel dommage. Plus 2 d'endurance max, on s'en fout, ça. Polyvalent, surpuissance, contrôle de foule polyvalent, déluge, frappe clivante, ouais, j'avoue. La fendeuse bouchée de taureau. Après, il y a pelle à caca, quoi, let's go. Let's go, la pelle à caca. Ah, attends. Déjà, voyons voir ce qu'on a. On a le cleaver et on a une pelle à caca. Est-ce qu'on perd masse de puissance? Côte 170, 169, d'accord. Ok, les attaques faites sont pas bien moins puissantes. Et les attaques puissantes sont plus grosses. Écoute, il y a plus de pénétration. La pelle, on s'équipe de la pelle. La batteuse, c'est marrant. C'est très 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 marrant. Après, t'en chies de munitions. C'est clairement une des meilleures armes. J'aime beaucoup le fusil à pompe qui permet aussi de faire du ménage. Malheureusement, il est très spécifique d'usage, là où la batteuse fait le ménage. Ça, c'est vraiment l'anti-ennemi solo. Ça, c'est la première arme que t'as. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais c'est un tromblon, basiquement. C'est sympathique. Mais on va garder la batteuse parce que c'est l'amour. La batteuse et la pelle à caca. Pas de curiosité. Pour les cosmétiques, on va enlever le masque de Bane. On va mettre le casque. Il est parfait. Le casque et la grosse armure, voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait comme ça, nickel. Voilà. Et on va tenter une petite mission rapide. Voire une mission facile parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'XP pour gagner, vous voyez. 4000 d'argent, 2000 d'XP, 1900 d'XP. Putain, ça rapporte autant presque. Damn. 5000 d'XP. Waouh, tu peux vraiment farmer les missions level 1 en fait. Hein. Voyons voir. Station de vigie oublie. Zone résidentielle, le torrent. Chercher de fausses données de reconnaissance sur le réseau de cogitateurs des hérétiques du torrent. Halte de livraison, ça il me semble on l'a déjà fait. Groupe de silos. Oh. Raffinerie Delta. Logistratum de l'abîme, ça on l'a déjà fait. Halte de livraison. Station de vigie oublie. Ouais, mais il y a la version simple et la version hardcore. 15 000 balles, 4000 balles. Ouais, bon, bah écoute, hein, c'est valide. On va faire ça, station de vigie de l'oubli. Et on va y croire, voilà. Stogreen, il est incroyable. C'est fantastique. Oh! Et nous sommes avec une fanatique, une zélote, et deux vétérans. Excellent. Et en plus, c'est des vétérans avec un niveau élevé qui font une mission niveau simple pour des raisons qui me semblent obscures. Security's tighter than ever, but if you can get your hands on the cipher idents, that won't be a problem.
Once you reach the array, get the data uploaded. But watch yourselves, there'll be heavy resistance. Très bien, on va pouvoir gagner le level 10, récupérer un bouclier avec de la chance et, comment dire, le tester en mode entraînement histoire de voir à quoi ça ressemble, parce que les ogrines et le bouclier, c'est un peu le cœur du gameplay ogrine. Parce qu'un ogrine a beaucoup de mal avec des ennemis à distance, c'est pour ça qu'il a la charge, et c'est pour ça que le but du jeu est de rejoindre le plus possible les ennemis qui te tirent dessus loin pour les forcer à passer au cac et commencer à leur mettre des gifles, parce qu'au cac t'es un petit peu un dieu, donc tout se passe bien. Mais, comment dire, mais avec le bouclier, les problèmes de distance sont des problèmes que tu peux laisser à tes autres coéquipiers en fait. Tu peux juste sortir le bouclier, servir de rempart. Oh là là, la batteuse. Par contre, les vétérans, c'est les unités de distance. Oh là, il a une power sword. Wow. Life ain't ever easy. I'll warrant it's harder down here than in most places. I grew up in the torrent. More like hell to escape, but there's no escaping your past, is there? Master of mankind, restore to this place thy holy guidance! I can't imagine having to subsist on what others throw away. If you can head to the bazaar, you should be able to scan for cipher items. Allez, on est avec Sly Marbo. Il faut savoir que Sly Marbo, c'est Rambo dans le lore. Le Katachan de la violence, qui gagne des guerres à lui tout seul. Le mec qui est capable de purger une infestation orc. De purger, je dis bien. Ah, c'est vrai qu'on est avec des tireurs, donc restons au cac. Et surtout, restons près des tireurs. Voilà, il faut que je serve de diversion, si possible en restant le moins possible dans leur lignée de, dans leur ligne de mire. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de tir allié, mais mon corps bloque les tirs. Donc il faut faire attention avec ça. Au corps à corps, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème, hein, toi qui regardes cette vidéo? Est-ce qu'on peut me laisser m'abuser? Ah, je recharge. Mais après, c'est toi qui te plaques, t'as plus de munitions, c'est vrai. Ils ont des lasguns ultra sympas. Attends, on va les aider quand même. Ah, l'appel à caca, l'appel des latrines de l'empereur. Voilà. Are we done yet? Negative, big man. This feels correct. Medicaid station. Station Medicaid, je suis full life. Tout le monde est full life. Mine. Ouais, je laisse les munitions aux autres parce qu'ils sont très dépendants des munitions. Logbourg, voyons voir. Oh, oh. Ah, il y a déjà des grosses bannières du chaos. Ouais, 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 les mecs sont installés, hein. Keep
là-bas. Voilà, très bien. Tout à l'appel. Tout va bien. Il recharge. Voilà, ce last gun. Ouh, des munitions peut-être. Rien du tout. Ça c'est toujours triste quand tu tombes sur Copwick quoi. Absolument Copwick. Ah. Les allées secondaires avec une caisse, des ressources, on ose espérer, des grenades s'il y en a que ça intéresse. Putain, ils s'en battent les couilles hein. Ah les mecs ils avancent hein. Bon après moi je fais du tourisme hein. Il faut savoir que ce genre de jeu pour les gens comme moi qui aiment papillonner. Bien vu. Je me suis gavé alors qu'en vrai j'aurais pas dû. Ammo! Je suis toujours full life. An apothecarium! If any art so weak to require it. Throwing grenade! I need that! Joli ça. Oh là 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 là, oui! C'est du miel! Chic ont des gens tout seuls, mais ça a l'air d'aller. Pas besoin de sprinter. Ok, le cerveau crâne est déployé. Recule, recule. Ok. Ah. Avec notre propre crâne, c'est un problème. Il faut le suivre, allons-y. Je sors la batteuse. Have these heretics nothing better to do than quarrel with one another? Yes, yes. This is the scan location. Ah oui. Trouvez les cadavres qui ont ce qui nous intéresse. C'est lui. C'est scanné. Faut mourir. Il est pas là, putain. C'est bon, on l'a apparemment, on l'a. Quelqu'un l'a eu, gentil. C'est cool. Ouh. Ouh!
Voilà, double gifle. Alors là, il y a un emmerdeur. Sniper. Sniper déglingué. Ils sont forts avec leur laser. Attention. Voilà, c'est bien passé. Bon, bah, plus qu'à attendre l'ascenseur. Je me permets même de recharger, tu sais quoi, ça a l'air, on a l'air d'être au calme, là. Je m'attendais à une charge, mais... on est bien, là. On est bien. Ça s'est bien passé. Well, the cartel can't come back from this. Don't waste your time thinking about the cartel. Antonio is a better place for their fall. The master of mankind's will be done. All degenerates shall meet the cartel's fate. Oh, yeah. What unfathomable might hath the master of mankind that he unites a million worlds beneath his banner? Galaxy is a big place. Big, you think? This rock we stand on right now is the only one that matters. Où est-ce que nous avons des choses là? Quelques munitions. Un chasse-gunner. Ah, voilà. Une ligne de tir. Parfait. Personne d'autre? Personne d'autre. Glissade. Des munitions pour les gens. Oh, regardez un quad! Je me demande à quel point avoir un quad ici serait utile, sans déconner. Il n'y a tellement pas de route. Oh là 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 là. Par contre, c'est incroyable. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que j'entends une meuf chialer. Donc il y a un Demon Host. Un hôte démoniaque. Et la dernière fois, ça s'était mal passé pour mon cul. Très bien. Ouf, on est rien. J'ai pas de boîte à donner. Non. Quelqu'un veut une boîte? Une caisse de grenades? Allez, je vous suis, les enfants. Avancez, avancez. Hop, 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 hop. Bien joué. Medicus. Bien, joli tir, ça. On va suivre erratique. T'es pas toute seule, t'es pas toute seule. Vas-y, vas-y, vas-y. Analysis recommends data retrieval at this site. C'est placé. Deuxième cerveau crâne. C'est placé. Data inbound. Continue. Defend. On défend, on défend. Break the gun. Next stop. Ah, j'ai bloqué la ligne de visée. J'ai fait une erreur, je suis rentré sur la ligne de mire de quelqu'un. Klebs. J'entends un autre chien.
quoi? Non, il est là, il est en bas, il va suivre Sly Marbo. C'est bon. Impeccable. Excellent. Recharge. Someone fix that data interrogator. Faster. Les câbles, on l'a eu. Je l'ai, Prums. Ah mais non, tant pis. S, P, Q, R, inspecteur, c'est bon. Ah shit. Où est-il? J'ai claqué ma super, mais c'était trop tard, il était déjà mort. Ils sont terriblement efficaces ces gens. Ça régale de jouer avec eux. Is the Abhuman more than beast or mutant? Did the master of mankind give it unto them human souls? There's none more vile than an ogre. Pretty sad if the Emperor didn't give them souls. Sniper par contre. Merci. Voilà, on change de caisse à munitions, impeccable. D'abord,
On se tire les enfants, où est le dernier? MacBong, MacBong, tu traînes. Tu traînes, on sort. On sort. Encore une fois, je l'ai mis trop tard. Mais j'ai aucun remords. Ben voilà. Voilà. Level up. Zap. Il manque quoi encore, 2000 points pour passer level 11. Ouais ouais ouais. Mais bon, on pourra faire ça autrement. Ah voilà, masse de combat et bouclier du colosse. La récompense montée de niveau. Oh, je peux mettre un nouvel exploit, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Votre arme est votre seul salut. Les faits sont des chaînes qui entravent la perception et restreignent la vérité. Une dague dans l'ombre vaut bien plus que 1000 épées à la lueur du jour. Ça, c'est faux, ça. La mort est notre seul but. Depuis son trône d'or, il nous voit tous. C'est vrai, ça. Le savoir est un pouvoir, et le pouvoir corrompt. Seuls les imbéciles osent refuser la bénédiction de l'empereur. Vraiment, ils disent ce qui les arrange. Armure de brute. J'ai gagné un slip. J'ai gagné un slip rouge. Let's go. J'ai un pantalon. Oh là 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 là. Nobody care who I was before I put on the mask. Magnifique. Alors j'ai pas d'insigne, j'ai pas d'accessoires, hein. Les cosmétiques on n'y est pas, hein, dans ce jeu. Alors voyons, j'ai un pilier. La quantité de robustesse est récupérée en syntonie, c'est-à-dire quand tu es avec tes potes, et augmente de 100%, ça c'est cool. 20% de robustesse lorsque vous touchez un seul ennemi avec une attaque de mêlée puissante. 20% de robustesse lorsque vous touchez plusieurs ennemis avec une attaque de mêlée puissante. Ah, ça faut voir, c'est intéressant avec le couteau. Parce que le couteau, les attaques de mêlée puissante zonent vachement. Donc le fait de le spammer en combat, ça permet vraiment de gagner de la vie et de gagner du bouclier et de rester fort. Là où la syntonie d'amitié, c'est bien si tu veux pas vraiment le gérer, si tu veux. Mais là, vaut mieux mettre ça. Et enfin, level 2, poids lourd. Vous infligez 50% de dégâts de mêlée supplémentaires aux ennemis Ogryn, ça c'est très bien ça. Qui vous inflige 50% de dégâts en moins, c'est sympathique. Touchez un ennemi en armure avec caisse remplie de bobos, la fait s'ouvrir et libérer des grenades autour de la cible. Oh! Et vos attaques de mêlée puissantes accumulent un cumul de saignement à chaque ennemi touché. Oh! Ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. D'un côté les caisses m'amusent, de l'autre côté les attaques puissantes pour les saignements c'est intéressant parce qu'à chaque fois que tu as un fanatique avec toi, eux ils aiment quand ça saigne. Voilà, ça leur fait plaisir. C'est leur grand kiff. C'est leur grand kiff, pardon. En termes d'arsenal. Il faut que nous allions voir le vendeur de merdier. Voilà, allons-y. Hop. Ça, c'est les cosmétiques, tu vois. Qu'est-ce que tu proposes? Les chaussures brutes furtives. Brutes furtives Armageddon. Ensemble d'ouvriers. Ensemble de déserteurs. Ensemble porteurs de munitions. C'est de la merde. Ok, très bien. Voyons voir. Ah, masse de combat, j'ai l'argent, excellent, en plus elle est verte, donc c'est cool. Ça se fait quoi? Plus 2 d'endurance masse, que je le regrette. Plus d'endurance, c'est bon, c'est la bonne. Hop, c'est acquis. C'est acquis. Voyons voir. Voilà, très bien. Oh là 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 là. La porte, mon gars. La porte lourde, ça, c'est du miel. Alors, voyons voir. Et la grosse batteuse. La grosse batteuse, elle est sexe aussi. Pas de petits curieux. Allons voir notre amie la psycheuse, qui pourrait nous mettre en mode d'entraînement. C'est elle qui nous fait le tutoriel au début du jeu. J'ose espérer qu'il y ait un mode d'entraînement libre pour tester les armes. Ce serait fantastique. Ce serait l'idéal, en réalité. Your skills could be sharper. Voilà, niveau sédition, révolte, malveillance, hérésie et damnation, lol. Sédition. Voilà. Juste une sédition, c'est pour tester en fait le bouclier et la masse. Qui est, quand tu joues à des niveaux très élevés, avec le couteau, les meilleures armes pour les Ogryn. Soit bouclier masse, histoire de jouer en coop avec tes potes. Soit couteau, histoire de mettre des masses et des quilles, pas possible. Alors, fais voir. Hey! D'accord. Ok.
Ok, donc ça... Alors clic droit, ça permet, voilà, ça permet de bloquer et de faire des coups. Et coup secondaire, la gifle. Là, je peux plus bouger. Je peux plus bouger, mais il me semble que comme ça, ça bloque les hits sans consommer d'endurance. Donc c'est vraiment le bouclier ultime, tu vois. Par contre, je peux pas tirer, je peux rien faire. C'est vraiment le shield, si tu veux. Et enfin... Ok. Ouais, c'est juste, hein. Le combo. D'accord, en fait le meilleur combo avec ce bouclier, plutôt que de faire des coups de face, il faut toujours faire des coups sweeping, parce que ça permet d'en toucher le plus possible en même temps. Hein. Prenons ces démons, ces petits démons par exemple, là, qui sont là. Oh putain, ils sont beaux, en plus ils bougent pas, même pas ils se défendent et tout. Oh mais ils sont très bien. Oh là là, on peut les voir et tout, parfait. Il faut un coup, puis un gros coup pour faire un balayage. Voilà, le balayage, toi, ça touche à donf. Ah, ils ont un saignement, c'est ça. Parfait, ça marche pas. Ça les fait repopper, très bien. Eux, c'est juste des coups. C'est des flingueurs. Sans armure, sans armure. En armure légère, en armure légère. D'accord, ça ne fait pas tant de dégâts que ça, le coup de bouclier. Alors que le coup de masse fait aucun dégâts, ouais. D'accord, et attention, le face. Ouais, d'accord. Ok, ça met la max. Là, on a toutes les munitions qu'on veut. Qu'est-ce qu'on... Ah d'accord, on peut s'équiper autant qu'on veut. D'accord, c'est cool. Scap Gunner. Mais du coup, on peut plus lui mettre deux coups. Ok, d'accord. Je me demande si c'est possible de faire en sorte qu'il t'attaque. J'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est peu pour tester, si tu veux. Le mec se fait mutiler. Bap. Ok, d'accord. Grosse armure. D'accord. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Quant à la batteuse, bon bah la batteuse, c'est le fun. Hein. C'est hashtag les ennemis fondent. Hein. Ah, ça marche pas bien contre lui, fais voir. Ah, contre eux, ça marche. Hein. Vraiment, les ennemis en armure lourde, même en armure légère. Hein. Ouais, vraiment c'est la masse qui fait la majorité des dégâts. Ok, très bien. Changer d'agent, quitter le psychanium. Quitter le psychanium, très bien. Je vais juste vérifier un dernier truc avant de quitter. Voilà. Est-ce qu'on peut entrer dans le psychanium en lui disant je veux un niveau d'hérésie maximal? Ou est-ce que ça change juste les dégâts que les ennemis se prennent? Parce que ce serait intéressant de pouvoir voir ce que ça donne face à des demon hosts, face à des boss, face à des gros trucs bien purulents. Ou si c'est juste... Comment dire, si c'est juste pour goûter la pour goûter à l'hérésie, tu vois. Si c'est juste pour goûter à l'hérésie. Enfin. Voilà, très bien. J'y retourne. Pas par là. Chaque fois je me trompe. S'il te plaît, merci. Alors on cavale. Là, dans le psychanium, la boucherie, niveau damnation. Ça se trouve, niveau damnation, c'est juste en fait le taux de difficulté et les barres de vie des ennemis. Ce qui est intéressant aussi à voir, tu vois. Ce qui est intéressant aussi à voir. C'est bien que ça te permette de tester tes armes contre des mobs et vu que c'est 90% de ce que tu vas affronter,
Il est bien de savoir si ton flingue est efficace ou pas. Alors, plutôt que de ma massue, du coup, je vais prendre le couteau. Quoi qu'attends, garde la massue, histoire de qu'on puisse voir. Eh ouais, non, c'est les mêmes. C'est juste que les barres de vie vont pas être les mêmes, si tu veux. Ouais, comme vous pouvez voir... Ouais, il faut mettre plus de quilles. Ouais, il faut mettre beaucoup plus de quilles pour qu'il crève. Exemple, lui aussi, par exemple, si je prends la bratteuse. Ouais, tu vois, ça prend juste 1000 ans de plus, ok. Alors, voyons voir par contre. Du coup, laissez-moi juste tester le gros couteau et le gros stubber. Pour le plaisir. Ah, mais il arrive quand même, hein. Assez efficace, hein. Comme vous pouvez voir, les tirs que ça fait sont assez assez disparates, hein. Vous voyez, c'est un shotgun. Ouais, ça zone, hein. Ça zone. Et le couteau? Ah, ça tue d'un coup, hein. Oh. Si tu touches la tête, ça tue d'un coup. Ouais, ça marche bien. Ça prend aussi, ça balaye, hein. Ça, quand tu le fais au corps à corps, ça balaye sec, hein. Y a pas grand chose qui reste distinct quand même, hein. Ah, ça tue pas, hein. Putain, en mode hérésie, Putain, en mode hérésie, c'est énervé. Nécessite niveau de confiance 15. Ah, d'accord. Niveau de confiance 15. Ah bah d'accord, quitte la boucherie, ok bah. J'ai même pas appuyé, je me suis juste approché du trou du warp et ça m'a téléporté. Ok, tu ne vois les monstres qu'à partir du niveau 15. Ah d'accord. Ouais bah c'est, écoute, hein, pour tous ceux qui aiment ce genre de jeu en multijoueur, allez-y, c'est la boucherie, c'est de l'amusement, hein, mais c'est grind the game avec la magnifique possibilité aussi que vous ne pouvez pas grind de la monnaie du jeu. Dépenser du vrai argent, quel enfer. Enfin bon. Des choix commerciaux douteux, mais c'est pas grave, un bel effort de la part de Games Workshop, au moins sur l'aspect design. J'avoue que sur l'aspect design, on y est, hein. Ça rend tellement bien la gueule du truc, la planète en face et tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Malheureusement, Dawn of War 1, Dawn of War 1, pas le 2, hein. Pas le 3, hein. Dawn of War 1 reste pour moi l'expérience Warhammer 40 000 la plus complète qui soit, surtout si vous y installez des mods, même pas obligé d'installer Ultimate Apocalypse, il y en a un autre aussi qui est un overhaul total, voilà, ça reste les meilleures expériences et ça reste les meilleurs souvenirs de LAN que j'ai eu. Dans tous les cas, voilà, je vous fais de gros bisous à tous, je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Voilà, c'est... Je remets le masque, les gens ne se demanderont jamais quelle est mon identité. C'est au Green Bane, j'aurais dû l'appeler Bane, hein. Mais si seulement je l'avais su, mais absolument fantastique. Allez, zou, on s'enfuit, c'est ça qui est bon. Jeanne, au secours.